Internautes de Leoncho Leo, nous vous saluons partout dans le monde. Je sais que vous êtes bien et belle branchée sur Leoncho Leo. Nous sommes au Nord Kivu, précisément à ville de Butembo. Leoncho Leo a recueilli pour vous les avis de la population de Butembo après le discours du chef de l'État qui réitère la rupture du FCC. Quelques semaines plus tard, après la nouvelle politique, lundi 14 décembre 2020, voilà, le chef de l'État a été aux antennes de la RTNC. Il a réitéré encore la rupture du FCC et cash. Leoncho Leo a recueilli pour vous les avis de la population de Butembo. Suivez. Un discours qui va marquer la République démocratique du Congo, sans être ni fanatique. Parce que lorsque nous avons suivi le chef de l'État, c'est l'attentement des citoyens congolais, des citoyens consensuels, sont vraiment d'accord avec tout ce que le chef de l'État vient de dire. Primordialement, ce que le chef de l'État vient de dire, il vient d'annoncer et renforcer toujours le message, dire que il vient de rompre avec ce mariage FCC cash. Et il vient de créer une nouvelle vision, c'est l'union sacrée. Et l'union sacrée, il appelle tous les acteurs politiques, même de la société civile, de s'approprier l'union sacrée et de participer au pouvoir, de partager toujours une nouvelle vision pour que le chef de l'État puisse encore amener le pays vers l'avancement. C'est ça la logique même, c'est ça même l'idée fondamentale du discours du chef de l'État. Ce que nous apprécions, nous tous, nous devons favoriser, nous devons accorder cette opportunité au chef de l'État d'accomplir, de réaliser cette nouvelle vision. Vous savez, le chef de l'État a été bloqué par ces gens qui ont dirigé ce pays pendant 18 ans. Il dit non, ce n'est pas facile. J'ai accepté des humiliations. J'ai accepté le ridicule. Mais aujourd'hui, nous devons partir et construire et concourir. C'est quelque chose qui nous a marqué, qui nous a vraiment intéressé. Nous disons que le chef de l'État a une nouvelle vision pour la République démocratique. Et quelles sont vos attentes personnellement à propos de ce qu'il est en train de faire? Vous savez, nos attentes, de tout ce que le chef de l'État vient de dire. Nous aimerions que le chef de l'État puisse renouveler la classe politique. Que les anciens qui ont été dans l'ancien régime ne puissent pas se retrouver dans les nouveaux régimes. Vous savez qu'ils puissent renouveler la classe politique. Qu'il y ait au moins des jeunes, qui ont des vieux, qui n'ont jamais participé à la gestion du pays, de venir accompagner cette vision du chef de l'État. Parce que ceux qui ont empêté ce pays, ceux qui ont ruiné ce pays pendant 18 ans, et aussi, quand aussi venir participer dans l'Union sacrée, quand aussi venir intégrer l'Union sacrée. Nous disons que ça c'est un piège, il faudra que le chef de l'État puisse miser de sa sagesse, puisse miser plus de stratégie pour barrer la route à tous ces malfaiteurs
ce pays pendant 18 ans, d'arrêter de ne pas intégrer l'Union sacrée. Alors le chef de l'État a aussi énuméré un certain nombre de défis. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Ce qui a attiré notre attention lorsque le chef de l'État nous a parlé de Covid, c'est quelque chose qui marque presque. C'est une maladie qui gangrène presque le monde. C'est un grand fléau qui gangrène presque le monde entier à nous. Et que nous tous, nous devons accompagner cette vision du chef de l'État pour une bonne santé, pour la santé des citoyens congolais. Et que donc, le Covid n'est pas déjà bloqué plusieurs, même l'économie de plusieurs pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Il a parlé aussi concernant l'éducation, comme clé majeure. Donc, il faudra que le chef de l'État puisse marteler encore pour l'éducation. Il doit payer aussi les enseignants qui ne sont pas payés pour l'accompagnement pour cette vision, pour cette nouvelle lacée de l'éducation. Vous venez de suivre les discours du chef de l'État. Vous pouvez nous dire l'essentiel de ce que vous avez dit. Nous venons concrètement de suivre les discours du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, il en fait presque un discours bilan. Il a retracé correctement toutes les activités, les événements qui se sont déroulés pendant, durant l'année 2020. Il est venu, par rapport même à leur fameuse coalition FCC-CACH, qui certainement pour lui, ça ne l'a pas permis d'avancer, parce qu'il y avait parfois des décalages, et il a accepté autant d'injures, autant d'humiliations qu'il pouvait le faire, et qu'il a quand même fini par dire, écoutez, trop c'est trop, je devrais mettre de côté la fameuse coalition FCC-CACH. Et certainement, il a quand même loué les efforts des élus du peuple, vous savez, d'ici là, il y a de cela presque une semaine. Vos maîtres hors d'état de nuire ces bureaux fictifs que nous avons d'ailleurs qualifiés, qui avaient une majorité, la majorité purement théorique, pas la majorité au vrai sens. Il a quand même loué les efforts des députés qui ont pris leur temps, ils se sont assimés, ils ont dit écoutez, nous devons maintenant mettre l'intérêt du peuple en avant. Par rapport à leur fameux, je ne sais pas, slogan, les peuples d'abord, bon, il en a parlé, il a quand même retracé. Écoutez, aujourd'hui, là où nous sommes en train d'aller, la République démocratique du Congo est allée et est maintenant en train de se ressaisir, de se repositionner sur le plan diplomatie en Afrique, parce qu'il a lui-même dit qu'écoutez, il a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine et qu'en 2021, il sera président de l'Union africaine et que par rapport à cette politique, ça va quand même apporter quelque chose à la République démocratique du Congo. Nous avons loué, parce que quand nous avons suivi, il a dit, écoutez, par rapport même à la diplomatie, les États-Unis en auront leur part par rapport à différents contrats qui seront signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il a cité nommément la France et pourquoi pas la Chine, que si pour les aides, il sera maintenant question de former les militaires, d'autres aussi avec la relève de capacité des policiers, d'autres encore même les écoles académiques qui seront construites dans ces pays, les écoles de guerre, nous disons c'est bon, ça doit permettre aussi à la République démocratique du Congo d'être respectée parmi d'autres pays du monde. Nous avons dit c'est bon, il a quand même dit aussi, il a quand même aussi épinglé qu'écoutez par rapport au Covid-19, tout le monde, nous devons continuer à respecter les mesures barrières pour tant soit peu arrêter cette pandémie à la République démocratique du Congo. Il en a parlé de beaucoup de choses sur le plan même de l'enseignement, ou écoutez, par rapport à l'enseignement de base, avec l'article 43 de notre Constitution, que par rapport au lancement de ces programmes gratuités de l'enseignement, plus ou moins autant de millions, plus ou moins 4 millions, je ne sais pas, d'enfants ont réintégré l'école primaire. Chose qui est en train de louer, bien que quand même nous sommes en train de voir, ce n'est pas tous les enseignants qui sont en train de laisser flotter la main. Il y a certaines choses qu'on doit encore ajouter. Nous avons loué ces discours et écoutez, nous sommes dans un état purement démocratique et la Constitution de la République lui donne ses prérogatives. Mais nous, nous disons attention, nous avons suivi autant de discours. Depuis le début jusqu'à ce jour, ce sont des discours. Mais nous voulons passer maintenant, nous voulons voir l'effectivité de ces discours. Parce que quand il dit, écoutez, il va nommer les formateurs, il en a revenu, bien qu'il en a parlé même la fois dernière, nous disons, nous sommes en train d'attendre. Et je pense qu'écoutez, les peuples doivent comprendre. Aujourd'hui, on est en train maintenant d'observer tous ces gens-là qui étaient hier du côté du FCC sont en train de se vider.
vers maintenant l'Union sacrée pour la République. Et nous disons, est-ce que ça ne sera pas le FCC bis? Est-ce que le peuple, comment est-ce que le peuple va accueillir tous ces gens-là? Est-ce que ces gens ne sont pas en train de vouloir tout simplement se cacher sous prétexte pour pouvoir protéger leur poste et non pas pour l'intérêt général de la population? Je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, il doit être très prudent. Mais s'il continue encore, les mêmes personnes qui jadis travaillaient avec lui dans le FCC vont se rallier et les gens risqueraient de croire que c'est maintenant le FCC. Ça ne va pas donner quelque chose à notre pays. Mais nous disons, nous donnons le temps au Président de la République. Nous avons suivi autant de discours. C'est maintenant la matérialisation de ces discours que nous attendons. Donc pour nous dire, bon, on doit quand même applaudir, c'est sûr, cela, c'est trop bien. Nous en avons suivi autant de fois. Et les mêmes propos peut-être tenus là-bas. Il a quand même quelque part compris que l'Est de la République démocratique du Congo, c'est l'insécurité matin, midi et soir. Et qu'il faudrait que les forces armées de la République, et lui étant que le garant de la Constitution, le commandant suprême des forces armées de la République, il va peser pour que les forces armées puissent faire concrètement leur travail. Voilà un peu ce que nous avons suivi, mais nous disons attention, l'état des discours est révolu, nous voulons voir maintenant la matérialisation. Nous en avons suivi autant, mais je pense que ce n'est plus le temps encore d'applaudir, mais c'est le temps de suivre maintenant les actions sur terrain. Alors, quelles sont vos attentes pour que tout ceci soit matérialisé? Les attentes sont claires. Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit avoir des réserves avec ses anciens alliés du FCC. Parce que quand ils sont là, ils sont en train de l'observer, que s'il y a des choses qui peuvent avancer, ils seront toujours à la première ligne pour le contrecarrer, pour que lui-même aussi soit coté comme ces gens du FCC. Et que là, il doit être très prudent, tous ces gens-là qui sont en train maintenant de se former matin, midi, soir, que nous revenons. Peut-être c'est venir encore les coincer et les mettre les mêmes affiches qu'ils les mettaient quand ils étaient ensemble dans le FCC cash. Voilà un peu ce que nous attendons par rapport à M. Fatih. Et comprendre que, écoutez, il n'y a pas de souverain que le peuple. Il n'y a pas de patron que le peuple. Et que si bon, aujourd'hui, il peut aller de côté, le peuple sera là toujours à la première ligne pour dire attention, monsieur le président de la République, ce n'est pas ça notre contrat social avec vous. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Très bien. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Quel est l'essentiel de ce que vous avez dit? Bon, ça a été un discours prometteur. Depuis qu'il a commencé à faire bouger les choses, ça nous a rassuré par rapport à nous qui sommes à l'Est ici pour les sécurités. On croit cette fois-ci que ça sera une sécurité véritable. De deux, il va élever le niveau de vie de la population, comme il a dit. Ça fait que c'est déjà un choix de la population pour que nous puissions voir si les conditions de scolarité, de santé peuvent s'améliorer. Et ça serait une bonne chose. Troisièmement, il a parlé des routes. Voilà, des routes, c'est un secteur essentiel pour permettre à ce que nous puissions booster le développement. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que soutenir ce programme-là et être très bien. Il a énuméré un certain nombre de défis auxquels le pays faisait face l'année passée. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez pour que ces défis-là ne reviennent pas, vous personnellement, comme... Il y a par exemple la corruption. C'est un mal qui gangrène la nation. Et s'il dit, il parle de l'état de droit, là où tout le monde doit respecter la loi. C'est ça déjà le socle même du développement et de l'avancement d'un pays. Je donne un exemple simple. Si les enseignants ne sont pas payés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de bouffer leur prime quelque part. Si les militaires ne sont pas dans de bonnes conditions, il y a ceux-là qui sont en train de détourner les moyens. Alors vous comprenez que s'il y a un policier, s'il y a un militaire qui a son salaire comme il se doit, qui répond aux normes, ça se fait que déjà les pays pourraient marcher des soins, parce que là, automatique.
Donc ça c'est un défi. Mais le défi sanitaire aussi, il faut qu'on y travaille parce qu'on ne doit pas être à la merci de n'importe quelle pathologie pour pousser les gens à la mort comme ça gratuitement. Donc il faudrait qu'à ce sens-là, que l'État puisse déjà prendre des précautions. Au cas où il y aura encore des épidémies, que ce ne soit pas des ONG qui viennent nous aider. Hein? Et pour ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Que dites-vous de la rupture entre leur mariage et CCH? C'était un mariage de non-sens. C'est comme quelqu'un qui s'est né, qui a ses plantes et qui a quelqu'un qui est en train de les ronger de l'en bas. Ça nous a enchanté tous. Donc nous pensons qu'à travers ce qu'il appelle l'union sacrée, ça sera un rassemblement de tous les regroupements pour faire que politique, pour faire de sorte que nous puissions au moins avoir des institutions qui peuvent être stables, où on peut faire confiance à tout le monde. Donc je suis quelqu'un qui demandait cela depuis bien avant. Et c'est arrivé, et Dieu merci, et c'est comme ça que je suis derrière lui. Et vous pensez que qu'est-ce qui peut être encore fait pour que tout ce qu'il a dit là soit même matérialisé? Il devra consolider l'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une rupture presque totale. Quand les Katangais doivent dire ceci, les gens de l'Ouest disent cela, les gens du Grand Kassai disent ceci. Donc ces considérations-là, régionales ou ethniques, doivent cesser. Et je dirais même que ça soit érigé, qu'il y ait une loi qui pourra punir ce genre de comportement. Pour autant que ce sont des termes de conflit qu'on est en train de mettre. Donc on peut quitter tel conflit et après un autre. C'est que ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est un peu ça. Donc d'abord l'unité nationale. Les autres choses vont venir de soi, dans la mesure où si nous respectons la loi, si tout le monde respecte la loi. Umefata fata discours yake rais wa Jamhuri ya Demokrasia Kongo, unaweza kutuambia kwa kifupi ile ambayo umeteni? Discours la chef de l'état on est pas tout le même tout chef pas dans le discours mais discours un pays mais à cause c'est tout le temps on a confiance à cause de ce matin parce que à ce moment va limo en Chine ok ça me va à capoter sur lui le quoi la main un jour moi le décès va pas n'attendre ça ça surtout quand on va limo hein va limo souvent on a confiance mais nous là dedans naïf tendelé. Na kitu gani ndio yenyewe unajitandre hapo? Kile vimwe alitaya ma kitendo zilikuwa unawaza nini ndio tezi kuwa tungezi change. Kwa kwanza leo na shughuli sana ile kupata maria chake na Jubale. Wale walikuwa wanamtia makala. Tunawazania kwa sasa tatosha ile government ya Mungu. Ele tá com uma sevilha, aquela que está aí na porta, a coisa para o sal. Juba a vara, as ishe, e olha na cena, mas não na rubicha do céu, não vai chino. Mas aí, vai chino, mas tem dentro da vara, se vê muzul, e daqui sangue, se vê muzul. Juba a vara, se capita, na crise está aí já. Se crise, por isso que eu crise com isso. Na segurite, uma sequer, na cena, eu a segurite. Quando a chi, o como é, o. Atatumalizia ile kila mtu atafanya kazi yake. Juhi ya tujani na pesa za gouvernement. Chetu na hafu jidebriye, kila mtu na hafu jidebriye mkazi yake. Sekirite kaisha tutalima, tutalima makakao, tunafanya nini, tunafanya biashara. Kila kitu nakitenda kwa usawa. Yeye ni anataka sogelea peple.
Yombio. Le peuple d'abord. Chers youtubeurs de Léon Joléo, merci de nous avoir suivis. Moi, je suis Mandzekele, à la présentation. Au revoir.